Sur le rond-point Saint-Isidore, des klaxons saluent l'action des Gilets jaunes. Ici, en 3 semaines, la vie s'est organisée. Toute la journée, des entreprises, des particuliers viennent apporter des boissons et de la nourriture. Il y a une grande cabane où il y a de quoi, hein, toutes les provisions. Et là, on va tout couvrir pour faire un hall d'accueil. Dans ce campement, de quoi tenir un siège. Tous les jours, tous les jours. On nous porte des croissants, des pizzas, des gâteaux faits maison. Que sont là, tout on répartit de façon équitable. Comme la plupart des Gilets jaunes, tous affirment se battre pour davantage de solidarité. Nos revendications sont simples. Hein, c'est que arrêtons les privilèges au niveau de nos sénateurs, au niveau de nos députés. Nos ministres, n'en parlons pas. Alors, monsieur Macron, n'en parlons pas. Moi, je suis fonctionnaire. Quand j'avais mon premier salaire, c'est-à-dire le premier échelon, j'avais un pouvoir d'achat qui était bien supérieur à celui que j'ai maintenant, alors que j'ai atteint le dernier échelon de ma grille indiciaire. Sur ce rond-point, aucun de ceux que nous avons rencontrés ne souhaite aller à Paris pour manifester. Pour moi, chacun chez soi. Et on a chacun notre ville à bloquer, on a chacun des points stratégiques à faire. Et c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est que financièrement parlant, il faut attaquer M. Macron comme ça. M. Macron, c'est un banquier, on va faire comme lui. On va lui taper dans la poche, basta cosi. En attendant, les Gilets jaunes se préparent pour le 4e round, bien décidés à occuper les lieux jusqu'à la fin de l'année s'il le faut.